m'appelle Arnaud Marius, je suis le directeur sportif du BCM Gravelines Dunkerque. Je suis maintenant depuis 5 ans au club et donc depuis cette année on travaille étroit avec Julien sur toute la gestion sportive, le recrutement. J'ai une partie beaucoup plus administrative que lui parce que je m'occupe aussi des relations avec les agents, les contrats, l'arrivée des joueurs et faire en sorte après que tout se passe bien autour de l'équipe en dehors du terrain pour que l'équipe soit la plus performante possible sur le terrain et qu'ils n'aient pas à penser à tous les aléas qui peuvent se dérouler autour. Alors selon moi, le savoir-être nécessaire pour jouer à Gravelines ou ailleurs d'ailleurs, quand on est un sportif de haut niveau, c'est d'abord respecter le staff, respecter ses coéquipiers, respecter l'organisation qui vous accueille, parce que c'est celle-là qui va vous permettre d'être performant pendant au moins une saison. C'est après un respect quotidien sur les horaires, sur la politesse, et puis on est dans un sport collectif, donc c'est vraiment être capable de vivre en communauté, de se respecter mutuellement et puis de pouvoir ensuite créer une cohésion, une solidarité dans l'équipe qui fasse qu'on pourra aller le plus loin possible. Ces points sont transférables dans le monde de l'entreprise, sans aucun doute, vraiment. Le club du BCM Gravelines Dunkerque, comme tous les clubs de proie, est une entreprise à part entière. Alors certes, on a des résultats qui tombent tous les samedis, une fois que le championnat démarre, mais on a des objectifs financiers, on a des objectifs sportifs bien sûr, on est une entreprise de divertissement. Donc tout ça mêlé fait qu'effectivement il y a des points complètement transposables d'un club à une entreprise. Il y a de la gestion de ressources humaines, il y a de la comptabilité, il y a de la billetterie qui peut s'assimiler à d'autres choses aussi dans des entreprises, de la communication, du marketing, de la fidélisation de clients, et puis du management de cadres. Donc on peut considérer les coachs, le staff technique, le staff médical et les joueurs comme des cadres qu'il faut manager pour arriver au plus haut possible. Le monde du sport est un sport très concurrentiel où il faut être toujours au top de sa forme si on veut rester en haut. Donc c'est quelque chose qui est très direct tous les samedis, tous les jours même à l'entraînement. On sait que si on ne se remet pas en question, eh ben, y en a d'autres à côté qui travaillent et qui nous passeront devant. En entreprise, on peut avoir ce même genre d'état d'esprit pour effectivement pousser ses collaborateurs à aller chercher des nouveautés, des innovations, trouver des nouvelles solutions sur des marchés. Et puis, à long terme, les clubs de basket ont aussi des objectifs à long terme. Par exemple, on peut se dire, cette année, on vise la Coupe de France, on en fait un objectif principal. Et ça peut être, donc on met en place un travail sur la durée pour arriver avec un pic de forme sur la demi-finale et la finale de la Coupe de France, par exemple. Et ça peut être la même chose en entreprise quand il y a un appel d'offres, un marché qui s'ouvre et on a 3, 4, 5 mois pour y répondre. Et du coup, on met tous les outils au jour le jour en place pour que, arrivé le jour où il faudra aller défendre cet appel d'offres, aller chercher et conquérir ce marché, on aura tous les outils dans les mains pour pouvoir gagner.